Bonjour à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Magnussen pour la suite de votre carrière FDJ en force. On continue, on est du côté du Tour de France avec trois étapes aujourd'hui sur un nouvel épisode, un épisode qui va être dantesque. On s'est quitté la dernière fois avec la victoire de Christopher Froome devant Julian Alaphilippe qu'on a vu très en forme, le français, malgré son premier Tour de France, mais il est là. Avec les grands, il a fini juste dans la roue de Christopher Froome et un tout petit peu devant Romain Bardet. Et par conséquent, bah, il accroît un petit peu quelques secondes, il reprend quelques secondes à Christopher Froome. Mais il largue tous ses concurrents directs, notamment Joaquim Rodriguez, avec l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Une étape de 39 km. C'est pas 39 km, c'est un chrono de 37 km, un chrono vallonné qui peut favoriser aussi Julian Alaphilippe et certains grimpeurs aussi. Voilà, cet exercice chronométré va permettre aux Franc-Comtois, peut-être, je l'espère, de retrouver au moins le top 5, viser au moins le top 5 et finir top 3 de ce Tour de France. Je pense qu'il y a moyen et il est là, 8ème, et on attaque tout de suite. Alors, cet épisode encore. Mais toujours, comme voit toujours, vous le savez, en extrême. On attaque un chrono de 37 km avec les favoris. Tony Martin, l'actuel champion du monde. Tom Dumoulin, Michel Kwiatkowski. Et alors on va s'attendre à un changement de maillot jaune. Bah, Christopher Froome qui peut faire un gros coup ici, reprendre la tunique de leader à Julian Alaphilippe. Alors, briefing, qu'est-ce qu'il nous dit le briefing? Pinot en forme, plus de prévisionnel. Et on espère. Voilà, les étapes montagneuses, il sera très en forme. Après, juste, il y aura une étape de sprint et une étape de montagne qui, je l'espère, va permettre aux Franc-Comtois de retrouver les premières places, le podium de ce Tour de France. Je pense que c'est largement. On va quand même croire au podium. Allez, on attaque tout de suite. Je pense qu'on fera le leader. Hein. Allez, à tout de suite. Étape 13 de ce Tour de France avec notamment, enfin c'est une étape de chrono, 37 km, un parcours vallonné, ça va monter, ça va descendre et puis après il y aura une portion plate pour finir vraiment en montée, il faudra en garder sous la pédale. Et le premier à s'être lancé, il est déjà parti, Utarovic va se lancer maintenant aussi. Alors nous on va se réserver que le top 10, je vous montre un petit peu le classement général comme ça vous l'aurez en tête. Nairo Quintana, 10e à 6 minutes de Julian Alaphilippe, le vainqueur du Dauphiné, les critériums du Dauphiné et du Giro, se retrouve largué à plus de 6 minutes. Bouke Mollema, Alexis Viermoz, regardez Simon Yates aussi. Allez, ici, ça se tient à quelques secondes entre Richie Porte et Joaquim Rodriguez. Ça va changer ce classement après ce long exercice de 37 km. Allez, on va tout de suite attaquer le top 10 de ce Tour de France. Let's go. Tony Martin, solidement installé, l'actuel champion du monde de l'exercice, a collé une minute à Fabian Cancellara. Et voilà le départ du vainqueur du tout dernier Giro qu'on a joué ensemble, Nairo Alexander Quintana, à 6 minutes de Julian Alaphilippe. Très largué déjà, le Colombien, c'est normal, il enchaîne. Depuis déjà pas mal de courses, il est là. Critérium également, il a remporté les critériums juste à la sortie du Giro. Et il y a celui-là aussi, Jakob Fuglsang, 9e du classement général. Et dans le starting block. Non, Jakob Fuglsang est 11e. Le 9e, c'est celui-là, le champion des États-Unis. L'exercice. Et Thibaut va partir bientôt. Et voilà le départ du Franc-Comtois. Thibaut Pinot. Aïe aïe aïe, il a juste 0 de forme, quoi. Putain, c'est pas vrai. Pas de chance du tout, complètement, et il devrait prendre du temps sur Alejandro Valverde. C'est un exercice qui risque d'être un petit peu difficile pour le Murcien, le coureur le plus complet.
et Richie Porte également qui sort derrière, le champion d'Australie contre la montre avec sa combinaison. Coureur de la BMC qui a rejoint la formation américaine. Juste, il a fini 5e sur le Tour de France. Donc après son contrat sur la Sky, Alberto Contador, 5e également à 2 minutes 38 de Julian Alaphilippe, peut aussi reprendre un peu de temps là au vu de. Enfin, pour espérer un top 3. Romain Bardet, très très bon, excellent jusque là, à 2 minutes 13 de Julian Alaphilippe. Joachim Rodriguez qui va devoir perdre beaucoup de temps ici sur cette étape, sur ce chrono. C'est pas du tout un exercice qu'il affectionne, lui qui est sorti de sa retraite maintenant pour rejoindre Vincenzo Nibali dans la nouvelle équipe. Et celui-là, le grandissime favori de ces Tours de France, même de ce chrono, Chris Froome, qui a 50 secondes de retard sur celui-là, sur Julian Alaphilippe. Impressionnant jusque-là, le Français, pour son premier Tour de France, sa première participation. Il est là, il tient tête à tous les gros leaders, les grands leaders, des grands noms. Et il a fini sur le Mont Ventoux, juste derrière Christopher Froome. Et il a peut-être fait une petite erreur. Il a voulu attaquer un peu plus tôt, et Chris Froome l'a contré. Et ils ont fini roue dans roue, coude à coude. Vous vous souvenez de cet épisode. Et il est là. Et c'est Christopher Froome qui ouvre la route, qui va essayer de taper un point sur la table et reprendre, repousser tous ses leaders, tous ses concurrents directs pour espérer remporter un troisième Tour de France. Allez, première intermédiaire pour Joachim Rodriguez à 40, Romain Bardet qui a fait 21 secondes, Alberto Contador, meilleur temps au niveau du premier intermédiaire, le Pistolero. Et Chris Froome, 3 secondes derrière Alberto Contador. On attend Julian Alaphilippe. Il doit être, je sais pas combien il va faire celui-là. Attention, Julian Alaphilippe, il a 50 secondes de retard. Aïe, 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 il concède déjà du temps. Un peu de temps, là, 30 secondes sur Christopher Froome qui est en train de voir Joachim Rodriguez. Un peu plus loin, là, vous le voyez. Et on va aller regarder Alberto Contador qui va déjà se diriger vers le deuxième intermédiaire. Alejandro Valverde et 10e temps pour le franc-comtois au niveau de ce deuxième pointage. Aïe aïe aïe, c'est pas du tout du grand Thibaut, hein. Vous l'aurez déjà remarqué. 1,59 pour Joachim Rodriguez. Richie Porte, qu'est-ce qu'il va faire lui? Allez, 1,17 pour l'Australien Tasmanie. Attention, Alberto Contador, c'est lui qui a fait le meilleur temps au niveau du premier intermédiaire. Et il baisse un petit peu de régime là à 22 secondes de Tony Martin. C'est Bob Jungels maintenant qui est en tête, hein. Il a détrôné Tony Martin. On attend encore le temps de passage de Romain Bardet au niveau de ce deuxième intermédiaire. Allez, 1,40, un peu dans le temps de Thibaut Pinot. Joachim Rodriguez qui va concéder encore un peu de temps là sur cette partie. Elle était plate cette portion. On a 2 minutes pour Joachim Rodriguez et Christopher Froome qui déboule comme un canon. Boulet de canon, 3e temps à 40 secondes. Et juste derrière Alberto Contador, Julian Alaphilippe qui a perdu Christopher Froome de vue. Il est loin, loin du deuxième intermédiaire. Je pense qu'il va laisser sa tunique. Oh, c'est triste, c'est terrible pour lui. Allez, 1 minute 46, alors que Thibaut a fait 2,18 là au niveau du deuxième intermédiaire, 2,14 pour Alberto, pour Alejandro Valverde. Et il faut terminer très fort ici, à 4 km de l'arrivée. 2,45 pour Alejandro Valverde et Christopher Richie Porte, 1,35. Hein. Ça sera pas possible, pas possible pour le franc-comtois. On va terminer ici, hein, sur Thibaut Pinot pour mieux finir ce chrono. Essayer de reprendre un peu de temps ici sur une portion qui pourrait l'avantager, en fait, qui l'avantage tout simplement. Alors qu'Alejandro Valverde va bientôt en finir. Van Garderen, meilleur temps pour Van Garderen. Et Alejandro Valverde, 15e temps pour le Murcien. Et le front comtois qui est juste là derrière. Sous les kilomètres, Thibaut. Ah, pas du tout un bon chrono, Thibaut Pinot. Zéro de forme, vraiment pas gâté. Et il relance, et on attend le temps du front comtois. Top.
septième temps à 2 minutes 5 de Van Garderen. C'est très loin, très 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 loin des standards de maillot jaune, juste derrière Vincenzo Nibali. Et qu'est-ce qu'a fait Alejandro Valverde? On nous rappelle qu'il a fait 2,45 au niveau du deuxième intermédiaire, troisième intermédiaire. Et on attend Alejandro, oui, Richie Porte est juste là derrière, hein, derrière Alejandro Valverde, 3 minutes 26, il s'est écroulé, le Murcien, et Richie Porte qui a fait 1,57, Alberto Contador qui était juste là derrière, Contador, deuxième temps, allez, c'est lui qui fait la bonne opération juste derrière TJ Van Garderen, Van Garderen qui revient tout de suite dans la course, attention Romain Bardet, qui faiblit un petit peu là, il est à 2,29, attention, il est parti peut-être plus fort que ça, et Thibaut est dans le top 10. Et Christopher Froome aussi qui faiblit. Romain Bardet ne doit pas être dans les 3 minutes. Attention, à 2,58, il a bien limité la casse, Romain Bardet. Et Christopher Froome qui va pas remporter ses chronos. Et il concédera. Allez, il n'a pas repris de temps sur ses concurrents. Je pense qu'il prend la tunique jaune. Une 12 devant. Oh, Joaquim Rodriguez qui a complètement explosé. Et Julian Alaphilippe qui perdra donc sa tunique. C'est officiel. Mais il sera dans le temps de Thibaut Pinot. Un top 10 pour le franc-comtois. Allez, tout en relance, le français. Qui va finir dans. Je ferais finir peut-être 2 minutes 50. 2 minutes 47, 21ème. 20 personnes. Voilà. Victoire de champion des États-Unis, TJ Van Garderen. Devant Alberto Contador et Bob Jungels. Bon, dommage pour Pinot qui termine très loin à 2 minutes 5. Top 10 pour le franc-comtois. Et le classement général, je pense qu'il y a un petit changement. C'est Christopher Froome qui prend la tunique pour 45 secondes. Et Thibaut est à 4 minutes. 4 minutes de Christopher Froome, c'est pour vous dire. Que la messe est dite. On ne remportera pas du tout ce Tour de France. Par contre, celui-là est bien parti pour remporter le Tour de France. Parce qu'il a 1 minute 22 sur Alberto Contador qui doit juste contenir sur la dernière étape de cet épisode. Et Kenny Elissonde qui a quand même un matelas d'avance sur Julian Alaphilippe. Allez, on va tout de suite se retrouver pour l'étape de sprint. Allez, à tout de suite. Et c'est parti pour cette 14e étape, une étape propice aux sprinteurs, étape relativement plate. Et ils vont devoir se frotter les mains là, des sprinteurs, les hommes rapides de peloton. Mais attention peut-être à un événement, allez, un ennemi si on peut l'appeler comme ça. C'est le vent qui peut jouer un rôle majeur sur cette étape. C'est parti, Christopher Froome qui a pris sa tunique, elle est pas repris mais qui est déjà en jaune. 7 jours d'arrivée à Paris. On va compter sur Chris Froome sur ce route de Tour de France. On se quittera. Il a 41 secondes sur Julian Alaphilippe. Et c'est parti, la grosse accélération de Vachon à gauche de la route. Attention, Van Sumeren peut-être aussi qui peut attaquer. Et c'est parti de Volder. Nelson Oliveira sont partis. Bon, allez, on peut voir. Non, ça reste quand même ici. On va tenter. On allait jouer la carte. On va voir si on va le laisser partir. Anthony Roux. Non. Non. On laisse plus sortir. Plus personne ne ressort de ce peloton. Et dommage pour Anthony Roux. Qui s'est réveillé en retard. Et voilà. Donc un groupe déjà est sorti. Et bah, il n'y aura plus rien à faire. Il faut juste attendre les derniers kilomètres pour pouvoir assister au sprint massif. Il y a un grimpeur
trois grimpeurs, quatrième catégorie, pas très important. Et les neuf hommes de tête sont là, avec Nelson Oliveira, Christophe Riblon, Bart Desclercq, Sanchez, Cataneo, De Volder, Philippe Gilbert, Vachon et Jeannesson. Allez, on se dit à tout de suite, les amis, pour l'emballage final de cette 14e étape avant la dernière étape qui sera cette étape montagneuse. Allez, à tout de suite. Bon ben voilà, le bon groupe était décidément parti dès le départ de ce Tour de France, enfin de cette étape, de cette 14e étape. C'était le bon groupe, ils ont 40 minutes d'avance sur le peloton. Et Bart Desclercq tente d'accélérer ici. Allez, De Volder qui contre encore. Ce sont des Belges hein, qui sont à la fête ici sur cette 14e étape. Ils s'essayent entre eux, ils savent déjà que la victoire ça va se jouer ici devant. Et Bart Desclercq essaie encore une petite accélération. Allez, vous aurez compris que la collaboration n'est plus bonne du tout entre les hommes des têtes. Ils ont peut-être peur de celui-là, du coureur de la formation kazakh, Luis Leon Sanchez. Expérimenté dans ces genres de situations, il peut attaquer de loin et prendre la victoire. Allez, ça se regarde un petit peu trop là. Alors que le peloton, rythme de sénateur, complètement. Les Jayan Alpessi ont endormi ce peloton. Il faut dire quand même qu'il y a la prochaine étape qui sera une étape montagneuse. Le leader s'en dit, bon allez, on va laisser partir. Comme ça, on va s'expliquer sur la 15e étape. Luis Leon Sanchez qui passe de relais. Et Jeannesson, attention à l'accélération ici de Nelson Oliveira, le coureur de la Movistar, bloqué par Jeannesson. Calmer ses ardeurs, mais non, il est reparti. Nelson Oliveira, un spécialiste d'efforts solitaires, il faut vite réagir. Celui-là, attention, hein, parce que s'il ne le sait pas prendre 2-3 mètres, sinon, c'est un spécialiste d'efforts solitaires. Il continue. Allez, ça réagit peut-être avec Christophe Riblon. Ça doit s'entendre ici. Il a 7, 16 secondes, 17 secondes. C'est Cataneo qui se met sur la planche, là, qui va tenter de revenir. 18 secondes, il est en train de creuser. À 6 km d'arrivée. Ah, il tient cette victoire d'étape de courant de la Movistar, 21 secondes, alors que ça ne reprend plus rien. Philippe Gilbert est obligé de réagir, là il attaque. Accélération du cannibale belge qui laisse sur place Luis Leon Sanchez. Leon Sanchez qui revient en roulant, 25 secondes à 3 km de l'arrivée. Oui, on peut le dire, Nelson Oliveira avait le nez. Allez, ça attaque ici derrière avec le sprint qui est lancé. Nelson Oliveira qui va aller chercher cette victoire d'étape. Luis Leon Sanchez qui tente de réagir. Mais non, Nelson Oliveira qui est déjà sous la banderole. La victoire du portugais de la Movistar, Nelson Oliveira, qui s'impose ici devant Philippe Gilbert et Luis Leon Sanchez. Ah, ils se sont fait avoir comme des débutants ceux-là. C'est pas possible. Comment ils sont fait avoir là, ça va pas du tout, alors que le peloton est à 34 km de l'arrivée, c'est pour vous dire. C'était vraiment du gros n'importe quoi du côté de ce peloton. Et Simon Gieschke qui tente maintenant de réagir. Ah bah c'est trop tard. Bon bah écoutez, on va pas faire des 34 km. On va tout de suite alors se retrouver pour la dernière étape, notre dernière étape de cet épisode. Si. Allez, à tout de suite. Dernière étape de notre épisode, 15e étape, étape répertoriée, montagneuse, avec pas moins de plusieurs cols en fait, hein, on va dire peut-être 6 cols répertoriés. Et un dernier qui va être sélectif pour les hommes du général. Et Kenny Elissand en forme ici pour aller chercher encore, grappiller des points. Et accélération du leader du classement grimpeur, Kenny Elissand. Il est parti, c'est le premier à attaquer. Et on va mettre la garde rapprochée des Pinot, à côté de Pinot, bien sûr. Plus 1 pour...
pour Thibaut, stage de reconnaissance et tout, mais ça va vraiment pas. Pas du tout. Un seul homme en tête. 41 secondes. Le peloton laisse filer. Satevich, Jansson qui va peut-être rejoindre. Voilà, il tente de partir ici à gauche. Jansson, on le voit ici. Il a du mal, hein. Et ils sont partis avec Ilnur Zakarin aussi qui est là. Ryder Esjedal, Romain Brice Féhu, vainqueur d'une étape aussi. Nelson Craddock. Allez, beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde. Pas moins, il y a beaucoup de monde. Allez, une protection ici pour celui-là. Qui pourra jouer un rôle majeur. Et voilà. On va se retrouver pour les différents grimpeurs. Et ensuite pour les derniers kilomètres. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc le premier col de la journée, c'est le col de Bertillon. Première catégorie avec une moyenne de 7.3. Et c'est Brice Féhu qui accélère. Ici, il a provoqué peut-être une petite cassure. Jean-Christophe Perrault qui recolle. Et ils sont partis. Attaque de Brice Féhu. Il est parti avec Jansson qui a explosé. Brice Féhu qui va aller chercher ses grimpeurs. Il est cinquième dans le au niveau de classement grimpeur. Et il veut conforter le point. Ah, ici le groupe avec Kenny Ellison qui ne dispute pas du tout. Voilà Brice Féhu qui passe devant et Kenny Ellison qui ne dispute pas vraiment ses grimpeurs-ci. Qui laisse partir. Alors que dans le peloton, ça accélère. Hein. Le peloton a mis le turbo ici. Et Morabito distancé. Reichenbach aussi distancé. Pinot livré à lui-même, comme d'hab. Aïe aïe aïe, ça va être long. Cette étape va être longue pour Thibaut Pinot. Les autres doivent réintégrer le peloton le plus vite possible. Ils doivent venir, sinon ça va pas. Ça peut pas le faire. Allez, à tout de suite. Le col du Sapel, deuxième catégorie. Et avec l'accélération d'Ilnur Zakarin, un col pas très difficile. Cette portion, elle est peut-être la plus dure. C'est Brice Féhu qui passe devant. Il n'y a que 5 points répertoriés sur ce col-ci. Pas très important, je veux dire. On voit Kenny Ellison qui va tenter peut-être d'aller prendre quelques points. Ilnur Zakarin qui réagit. Et Alexis Lutsenko aussi qui tente de revenir dans la roue de Kenny Ellison. Voilà, il va peut-être se relever. Il y a une victoire d'étape au bout de cette étape. Alors que Pinot est livré à lui-même. Je pense que ce serait judicieux de faire redescendre Kenny Ellison. Parce que là derrière, je crois pas que ça va peut-être revenir. Hein. Allez, ils sont encore bien plus... Non, ils sont pas très loin. Ils vont réintégrer le peloton. C'est Reichenbach qui est en train de rouler pour Steve Morabito. Et l'écrémage du peloton qui continue. Ouais, on va se retrouver pour... Allez, les prochains grimpeurs, je pense qu'on fera le col hors catégorie. Allez, à tout de suite. Et on est donc sur le Grand Colombier avec le départ de Ilnur Zakarin qui a accéléré. Personne n'a réagi derrière. Et il est parti peut-être pour chercher la victoire d'étape. Kenny Ellison qui emmène ici avec lui Stefan Kruijswijk. Pour peut-être aller juste prendre des grimpeurs. Et Ilnur Zakarin, on ne le reverra plus du tout à 49 km d'arrivée. Allez, au niveau du Grand Colombier, il faut peut-être faire péter ce peloton, je pense. C'est ce que Pinot a demandé à Reichenbach de faire. Allez, Reichenbach va accélérer un petit peu ce groupe-ci. Alors qu'ici, Kenny Ellison reste encore au contact hein, avec Stefan Kruijswijk ici. Ça devient très dur pour le français qui va devoir laisser partir Stefan Kruijswijk. C'était très dur la dure du néerlandais.
Et ça accélère ici aussi hein, avec Steve Morabito, non, Reichenbach plutôt, 49 coureurs à la demande du franc comtois. Il durcit la course ici. Et les Sky sont bien représentés devant là. Avec Jon Stannard. Bon, Ben Swift est encore là hein, sur le pourcentage ici, les forts pourcentages du Grand Colombier. Il est encore là, Ben Swift. Ah, ça devient très dur. Hein. Très dur pour Kwiatkowski qui s'égare. Alejandro Valverde, Nairo Quintana qui est encore là présent. Julien Alaphilippe aussi qui est toujours là. Impressionnant, Julien Alaphilippe. Impressionnant. Ouais, ça se relève un peu Christopher Froome tesselé tout seul là. Et Pino qui passe ici. Va tenter d'accélérer dans les derniers hectomètres de ce Grand Colombier. À 46 km d'arrivée, il faudra se dévoiler en fait. Hein. Faut pas du tout faire dans le détail là. Allez, Alberto Contador, Camille, Rafa Maika et Roman Kruziger devant. Alors que ici, on a Kenny Ellison et Lawson Craddock qui tente de revenir sur Stéphane Kruijswijk qui est en train de revenir sur Elnur Zakarin avant la montée de ses codes ici, première catégorie. Et on est dans les lacets. Allez, je laisse admirer le beau lacet ici à 35 km d'arrivée. Et c'est éparpillé, hein, ça. Il y en a des partout sur cette étape. Pinot dans le peloton ici, qui descend à vive allure, plus que 30 coureurs dans le peloton. C'est des gros leaders. Elissande qui se refait une cerise là. Voilà, Elissande qui est là, ils vont se faire revoir aussi par Aïdar Egedal, je pense, non? Avant, ici, c'est toujours Lawson Craddock qui est en train de rouler. Et il faut peut-être collaborer, Kenny, si vous voulez bien revenir sur les deux hommes devant. Faudra un petit peu collaborer. Allez, Pino, ici dans la descente, ici. 32 km pour le peloton. À vive allure, c'est les Sky. Christopher Froome a retrouvé quelqu'un devant. C'est, je sais pas, c'est Ben Swift. Ben Swift est là devant pour rouler sur cette portion plate. Je rappelle qu'il y a quand même 32 secondes entre les deux. Il y a 42 secondes, je pense. Une affaire des 42 secondes entre Chris Froome et... et Julien Alaphilippe avant la montée finale et la descente. L'arrivée sera jugée sur une descente. Là, il faut pas en faire davantage, il faut suivre la cadence. Et Pinot pourrait peut-être retrouver le classement, remonter dans le classement. Il est 7ème du classement général, mais non. Il est là, le champion de France. Christopher Froome qui a Ben Swift, qui a retrouvé Ben Swift. Et Henao, Sergio Henao. Alors que... ça commence ici, le pied de la dernière difficulté avec 1 minute 25 d'avance pour les deux hommes de tête. Je pense que c'est mort. C'est mort ici pour les deux. Allez, Elnur Zakarin qui est devant. C'est 8 km de montée. Et c'est parti pour le peloton, accélération d'Alberto Contador, attaque d'Alberto Contador à la bas montée. S'il a giclé de son vélo là, Alberto Contador, Christopher Froome, ils sont tous partis dès le pied. Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Ils remontent là tout le monde. Alberto Contador qui insiste, il continue, le pistolero, il va s'égarer. Ah, ils sont partis très fort là. Dans les forts pourcentages, Ben Swift qui tente de calmer les ardeurs du franc comtois, qui a profité un petit peu de l'attentisme là. Entre deux gros leaders. Il va attaquer. Accélération du front comtois. Allez, Julien Alaphilippe qui est obligé de réagir ici. Christopher Froome encore une fois de plus qui répond à l'accélération du dauphin du classement général. À 20 km du but. Julien Alaphilippe qui laisse partir Thibaut Pinot. Ah, ils vont peut-être rouler tout doucement là. Allez Thibaut, 36 secondes sur le groupe ici. Alexander Quintana, Bokemolema. Ça monte par à coup pour des gros grimpeurs. Nairo Quintana qui pense avoir peut-être une ouverture ici. Une opportunité. Nairo Quintana qui a explosé là. Il voulait ramener son leader Alejandro Valverde. Alberto Contador qui repart ici à droite de la route. Christopher Froome qui s'égare. Il n'a plus de jus.
Chris Froome qui est en train de faire des gros efforts là pour revenir. Alberto Contador qui est revenu sur Thibaut Pinot. Allez, il faut collaborer maintenant, 40 secondes. C'est Pinot qui est en train de rouler. Et Bob Jungels aussi qui tente de ramener le groupe ici. Le groupe Julian Alaphilippe. Et il fait des surplaces à les Joaquim Rodriguez Purito qui passe à l'attaque maintenant pour rejoindre ici le groupe Thibaut Pinot. Et ils sont revenus. Alberto Contador qui répare. Christopher Froome qui tente encore de repartir. Voilà. Les hommes forts de ce Tour de France sont là. Chris Froome était bien là. Il a bien répondu. Et ils se sont bien jugés ici, jaugés. Alejandro Valverde est bien passé. Nairo Quintana, Alejandro Valverde, ils sont tous là. Ils attaquent, je pense. Ils ont attaqué dans la descente, ces deux-là. Ben Swift maintenant qui roule devant. Dans la descente ici, Christopher Froome est bien là. 10 coureurs. À 10 km l'arrivée. Attendez, hein, parce que là, les bons coups sont en train de partir. Faut pas du tout se rater. Faut prendre la bonne roue ici, Thibaut. On est à 7 km d'arrivée. Alberto Contador qui insiste là pour tenter de reprendre un peu de temps. Là, ils sont revenus. Ils sont en train de revoir tout le monde. Ah non, on est à 6 km d'arrivée. Allez, Joaquim Rodriguez qui place aussi son accélération. Alberto Contador qui réagit. Christopher Froome aussi. Pourquoi il peut pas contrer lui? Thibaut Pinot qui passe ici, à droite de la route. À 3 km d'arrivée. Mais c'est Julian Alaphilippe qui part vraiment, qui fait la grosse, qui a placé la grosse mine là. C'est Julian Alaphilippe qui a 11 secondes d'avance. Christopher Froome ne peut pas du tout réagir. Julian Alaphilippe qui reprend 24 secondes. Oh là là, impressionnant. C'est Julian Alaphilippe qui reprend 36 secondes à Christopher Froome. Impressionnant, Julian Alaphilippe. Et voilà, on va se dire à très très vite les amis pour la suite de ce Tour de France. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si ça vous a plu cet épisode, un petit like, ça fait toujours du bien. Portez-vous bien. Ciao.